Bonjour tout le monde, c'est Oximoz et aujourd'hui on se retrouve pour le 20ème épisode de Let's Build et dans cette vidéo les amis on va construire une maison en 5x5. Donc je tourne cette vidéo à la suite de la présentation de mon pack de textures et du dernier Let's Build que vous pouvez voir juste ici les amis. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas allés voir, je vous laisse un petit avant-goût de ce que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Donc voilà, je dis que je l'ai tourné à la suite parce que du coup j'ai pas vos retours et je suis un peu triste les gens parce que voilà, je sais qu'à chaque fois ils sont positifs et ça me fait trop plaisir et là du coup bah elle est même pas au montage la vidéo, donc j'ai pas vos retours, même si je sais qu'ils sont positifs, je suis triste parce que je les vois pas, mais je vous remercie d'avance. Donc voilà, alors pour cette vidéo et pour cette construction d'une maison 5x5, on aura besoin de terre cuite grise, de terre cuite vert clair, de vitre grise, de vitre vert clair, d'échelle, de crochet, de trappe en bois, de lit, de bloc musical, de pot de fleurs, de dalles en briques du nether et de porte en bois les amis. Donc pour la construction, ça sera une maison en 5x5x8. Vous allez voir, elle fera 8 de hauteur. Alors, du coup, on va poser 3 blocs comme ça, de terre cuite grise. On va en poser 2 de vert clair. On en pose 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, comme ça, ça fait un... Voilà, on en pose 5 comme ça. 1 comme ça. Là, on va en poser 3. On va casser celui-là pour faire l'entrée. Et là on rejoint avec voilà de la terre cuite grise. On va faire le sol comme ça. Ici vous allez tout mettre en terre cuite grise. Et ici tout mettre en terre cuite vert clair. Voilà, comme ça ça fait une belle délimitation et c'est très joli. Du coup comme je vous ai dit on va la monter de 8 de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup on suit le pattern que j'ai fait hein, comme d'habitude. Hop, on suit le pattern. On monte tout ça. Voilà, alors c'est une maison minimaliste, hein, voilà, comme toutes les autres. Elles sont beaucoup plus minimalistes que celles que j'ai faites avant, c'est-à-dire celles-là. Mais elles sont tout de même belles aussi. Hein. Moi, limite, je préfère le minimaliste que le moderne. Après, chacun ses goûts, hein, voilà. Mais du coup, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de détails dans cette construction, tout comme la dernière, contrairement à la vidéo de la maison 3x3, où vraiment, elle était extrêmement détaillée, tout simplement parce que fallait que je donne un motif pour faire une maison 3x3, voilà, pour qu'elle serve, parce que sinon les rageux, ils allaient me dire « Ouais, c'est bon, ta construction, elle sert à rien et tout. » Donc voilà, je me suis justifié en plaçant plein de trucs qui servent à l'intérieur. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre terre cuite vert clair, on va poser 3 ici pour faire le toit, et on va poser le reste en terre cuite grise, comme ça, pour faire le toit. Et voilà, c'est censé ressembler à ça. On va poser une porte en bois de l'intérieur. Voilà. On va poser une terre cuite grise juste au-dessus. Et normalement, on a 1, 2, 3, 4 pour mettre notre vitre grise juste ici. Donc voilà. On va passer à l'intérieur pour mettre l'étage. L'étage, attention, il ne faut pas le faire là. Surtout pas, il faut le faire à un bloc de plus. Alors bien sûr, ça fera un truc dégueulasse ici, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc voilà. On va en faire comme ça ici. Et là, du coup, on va continuer avec notre terre cuite vert clair. Je fais ça tout simplement parce que sinon ici on aura un truc trop petit et ici on aura un truc trop grand alors que là c'est équilibré, il y a 3 de haut et 3 de haut ici et c'est magnifique les gens. Donc en haut ici on va mettre une échelle, donc 1, 2, 3, on va en poser 3 et ici on va poser une trappe en bois, voilà, une trappe en bois classique. Ici on va mettre le lit, ici on va mettre 3 trappes pour faire une étagère et ici on va mettre 2 vitres vert clair pour faire une espèce de support, je savais pas quoi mettre. On descend, voilà. On va prendre notre hop. On va prendre notre bloc musical, notre pot de fleurs et notre dalle en briques du nether. On va poser notre bloc musical ici, notre dalle en briques du nether ici et notre pot de fleurs ici les amis. Et c'est rapide, mais cette construction est déjà terminée les amis. Donc voilà. Alors je vais vous faire un petit tour. Hop, je ferme la porte. Hop, voilà. Je fais un petit tour, ça ressemble à ça à la fin. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment très beau. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, hop, on rentre dans la maison. Voilà. On a notre bloc musical. On a notre pot de fleurs. On a notre petite étagère. Ah oui, un dernier truc aussi. On prend notre crochet et on le met comme porte-manteau. J'allais l'oublier, je me suis dit on va pas l'oublier. Voilà, on le met là. Je me suis dit aussi il manquait un truc, c'est assez vide. Même si c'est assez vide quand même comme ça. Ici on a notre échelle, on monte. Voilà, classique. On ferme la trappe pour pouvoir marcher, pour pouvoir mettre un peu plus d'espace. On a notre lit avec notre étagère et notre pilier. Ici on met rien du tout. Et voilà, on a une petite vue sur les autres maisons. C'est magnifique. Et voilà.
la maison est terminée, les amis. J'espère que ça vous plaît. Voilà, vraiment très belle. Je me mets là, hop, voilà. Et voilà, donc j'ai beaucoup de gens en ce moment qui me demandent de faire plus de let's build parce que soi-disant j'ai beaucoup d'imagination et tout. Alors peut-être que j'ai beaucoup d'imagination, peut-être que j'ai beaucoup de constructions en stock, mais le problème c'est que si je fais beaucoup de vidéos, par exemple si j'en sors deux par semaine, eh bien déjà ça ferait beaucoup trop. Peut-être qu'il y en a qui feront des overdoses de construction de maison. Et aussi, à un moment, si j'ai plus d'imagination, j'aurai plus de let's build du tout qui sortiront, ou j'en aurai très peu. Donc voilà, je préfère garder un rythme de une vidéo par semaine. Peut-être qu'un jour il y aura deux vidéos let's build par semaine, mais ça sera pas deux maisons par semaine, ça sera une maison et un autre truc. Donc voilà, je préférais vous dire ça, puisque voilà, sinon après le débit serait trop grand, le débit de tuto de maison. Même si j'aimerais tout sortir, en même temps, je vais essayer de me retenir. Bref, voilà. Si vous voulez d'autres tutos et tout, je vous conseille la chaîne de Defroi, D-E-F-R-O-I. Voilà, c'est un builder Minecraft moderne qui fait aussi des tutos en ce moment de maison en 5x5, 10x10, etc. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, elles sont vraiment de qualité. Elles sont à peu près comme moi, voilà, c'est pour ça, je vous conseille d'aller voir. Voilà, petit coucou à toi Defroi, en plus il regarde cette vidéo, j'en suis sûr. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce que voilà, on approche des 10 000 abonnés. Je pense qu'on les a déjà atteints à l'heure où je parle. Donc voilà, je vous remercie en avance, je vous remercie en retard, j'en sais rien. Mais je vous remercie quand même parce que voilà, grâce à vous, grâce à vos partages, on est passé sur WizGamer. Et ça c'est magnifique, et c'est grâce au Let's Build parce que voilà, c'est même un Let's Build qui est passé. Je vous remercie beaucoup les amis. Donc voilà pour ce que vous me donnez comme bonheur, voilà, je vous remercie beaucoup, et voilà, donc comme d'habitude, et comme je vous dis à chaque fois, pensez à commenter ce que vous en avez pensé, à chaque fois, voilà, une note sur 10, je préfère limite que vous critiquez ma maison, que vous dites ce que vous n'aimez pas trop, avec la maison, plutôt que vous me dites à chaque fois c'est bien, j'aimerais un peu plus de critiques, comme ça je peux m'améliorer et ça c'est cool. Donc voilà, pensez à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, une note sur 10, pensez à commenter, voilà, à liker, voilà, on tente aller les 250 likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, voilà, comme je vous ai dit, on approche des 10 000 abonnés et waouh, c'est un chiffre de malade. Et voilà, pensez à partager, c'est le plus important, c'est comme ça que ma chaîne grandit les amis. Et moi je vous dis, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.